Bonsoir à tous les abonnés, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 12 de notre SP sur Super Mario 64 DS. Et comme vous le voyez, Luigi s'est endormi entre mes deux fesses de gameplay. Bon bref, on va le réveiller. Merde, je ne suis pas sur le jeu. Là, réveille-toi, debout. Alors j'avais dit que je testerais un glitch. Donc je vais en fait essayer de le faire re-rentrer dans sa pièce et de le faire ressortir. Et puis sinon on ira niquer la mère du bonhomme de neige hein. Hop, oh attendez, j'ai pas vu un truc sur la carte. Il y a une casquette verte. Attendez. Non mais ça va? On te dérange pas peut-être? Luigi, je trouvais cette casquette dans le château récemment. Tu as dû la perdre. Si tu veux devenir un vrai héros comme ton frère, tu dois faire plus attention à tes affaires. Il lui fait la morale. Je suis mort. Bon bref, merci frérot. Allez. Je voulais aller dans quel niveau aujourd'hui? Vers le bas, je crois. On va faire des niveaux que j'aime pas, mais où on n'a pas beaucoup d'étoiles. C'est-à-dire la caverne brumeuse et... Et le désert. Je suis fatigué, excusez-moi. J'ai toujours mon truc dans la gorge, c'est chiant. Mais le bout du youtubeur, ça fatigue. Salut frérot. Laisse-moi te donner un bon conseil, mon Luigi. Si les casquettes se ressemblent toutes, elles sont fortes, c'est assez spécial, surtout les blocs marqués d'un point. Oui. Si tu perds ta casquette, tu la retrouveras là où tu l'avais perdue. Oui, tiens, prends ça. D'accord. Mais je t'ai pas déjà parlé à toi? Pourquoi tu me la donnes que maintenant? Eh, je vais parler à tous les Toads que je vais croiser, hein. Ils ont peut-être tous des étoiles pour moi. Eh, plus que 5 étoiles et on a déjà la troisième porte de Bowser qui s'ouvre, hein, dans le labyrinthe toxique. Et l'étoile n'est donc pas indiquée. Elle est indiquée. Je n'ai rien dit. Salut frérot. Labyrinthe toxique, je ne sais pas où c'est. Ça va vous? Moi ça va super. Franchement je le vis hyper bien si vient de se passer. Le bruit qu'il fait, c'est trop drôle. Bon, bref. Fini les conneries. C'est ça. Allez, dégage. Non, je voulais pas être Wario. Wario, il est gros et lent. Faut que je perde ma casquette. Saute. Voilà, comment ne pas prendre de dégâts de chute. Eh, hey, tu veux pas me taper dessus, toi? Parfait. Tiens, bouffe ça maintenant et redonne-moi ma vie. Alors, le labyrinthe, ça a l'air d'être par là selon la carte. Effectivement, on tombe dans le labyrinthe. Ok, on prend des dégâts. Logique. Sale pute. Est-ce que vous croyez que si je prends ça, je prends des dégâts de chute? Enfin, des dégâts de labyrinthe. Oh, je prends rien du tout. Nice. Attendez, l'étoile, il y a écrit qu'il faut aller par là-bas. Merde, j'aurais pas dû faire le tour, je suis con. Vite. Prends la truc. Oui, c'est bon. Ok, les chauves-souris, je sais pas ce que c'est. Faut aller là-haut, là. Il y a un trou, hein, donc on fait gaffe. Ok, j'ai réussi. Oh, nice. Un ascenseur. Allez, fais des tractions, Luigi. Ouais. Tu vas devenir musclé. Ouais. L'étoile. Une étoile en 4 minutes. Bang. Dans un niveau que j'aime pas en plus. Au moins, quand on les aura toutes dans ce niveau, on sera débarrassé. Bon, allez. Un niveau que j'aime encore moins que celui-ci. Le désert. Oui, c'est vrai que j'avais rage quitte la dernière étoile. Ça s'était pas bien passé. On pourrait aller dans la lave aussi, tiens. Raté. Là. Merde. Ouais, je sais où est l'étoile. Hein. Je l'ai déjà raté deux fois. Salut, mec.
Eh non, pas comme ça, Zinedine. Passons tout droit. Le truc va m'écraser, je vais mourir. Cours! Oh son père, ça va, c'est bon. Moi, bon, allez, ce culbosse du jeu. Oh! Me suis bien fait karma du coup. Bon, bref, pas grave ça. J'ai toute ma vie. Non, dégage. Non! Je viens à peine de récupérer ma casquette qui me la reprend déjà. Il est où? La tête de ma mère, t'es où? Donne-moi ça. Donne-moi. Oh putain, je suis coincé dans ça. Rends-moi ça, grosse merde. Viens là, viens là. Tiens, dégage. Merci. Bon, me casse. Me casse, hein, qui me refonce dessus en mode. Ah, les fins de la casquette. Bruti. Toi en t'esquive. Y'a la tornade qui. Ouais, ça va, sois pas soupolé. Oh, 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 oh. Oui! Ok, j'ai passé un quart, un endroit du truc. Non, pas comme ça. Faut aller plus haut. Je sais même pas s'il faut rentrer dans la pyramide. Mais après, il y avait écrit sur le toit de la pyramide. Oh, toi, tu vas me ken, toi. Toi, tu vas faire ta pute. Ok, c'est bon, je l'ai esquivé. Elle est où cette putain d'étoile? Si je tombe ici, ça va me vénère de ouf. Ok. On arrive à la fin. Elle est là. L'étoile. L'étoile qui m'a fait rage quit. Yes! Et on va en refaire une dans ce niveau là. Alors. Au cœur de l'ancienne pyramide. Oh ouais, on va aller dans la pyramide. Hein? Est-ce que c'est pour indiquer que l'étoile est dans la pyramide ou pas? Bon écoutez, on va rentrer dans. Non, ne meurs pas comme ça dès le début. On va rentrer dans la pyramide et on verra bien. Vite. Ouh. Tout pile. Ah non, arrête. C'est bon. Il n'a pas fait son gamin à essayer de me faire mal là. Hop, ça passe. Ça, il faut que je fonce. Je fonce, je fonce. C'est bon. Bon, déjà, ça s'est passé. Dégage, merci. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de l'escalader, la pyramide. Du coup, ça devrait le faire. La tornade, sort. Voilà. Je fais exprès d'aller dedans. Et on va directement. Hop, c'est un panier 3 points. Ok, l'étoile est bien là. Oui. Je sais pas où faut aller. C'est quoi ça? D'accord. On va l'esquiver. Est-ce que si je vais là-dedans, je m'enfonce? Merde, merde, merde. C'est du sable mouvement, on peut mourir donc. Ok, ça passe, j'ai réussi à monter. Ok, j'ai l'impression qu'il faut aller en haut. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien ce que je fais là. C'est ça. Hop, ça en passe. Ok. Nous sommes donc un étage au-dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Quelque chose me dit qu'il faut pas aller là-dedans. Hein? Accroche-toi, Luigi. La, la. Comment je passe ça? Bah comme ça, tout simplement. Ok, je monte, mais je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Il y a donc des trucs qui bougent. Je suis monté.
Je suis au plus... Je peux pas monter plus haut là normalement. Allons-y en collant le mur. Bordel, l'angle de vue. Ah si, on peut encore monter. Putain, mais what the fuck, elle est grande comment la pyramide? Eh, de dehors, elle a pas l'air si grande que ça, hein. Ok, faut aller par là, je suppose. Oh putain, il y a encore ces saloperies, hein. Parce que ça, ça te ken, ça, en plus. Ok, il y a une cage là-haut, on a vu. Oh, oh, oh. Oh, j'ai failli tomber tout en bas. Deux fois l'affilée. Attendez, parce que là il y a l'étoile, mais c'est quoi la cage là? Bon, on peut pas y aller. M'en bats les couilles. Ah, belle petite escalade. Oh, je suis fatigué de cette merde. Bon, on va changer les idées, on va aller dans le niveau de la lave. Ah. Qu'est-ce que... Ah oui, il courait sur l'eau. Du coup, il avait du mal à avancer, le bolos. Pied chaud dans le volcan, c'est ça. Dans le volcan, il y a un volcan. Il y a un volcan. Ah oui, là il y a un volcan. Incroyable. Faut aller dedans. Ben non. La logique voudrait que si tu vas dans le volcan, mais faut clairement pas y aller. Il y a des boules de feu. Oh bordel, on peut y aller ou quoi? Oh, faut aller dans le volcan, c'est trop bien. Alors, ça ne m'inspire guère confiance tout ça. Alors, ok, ça, ça se passe. Encore un truc d'escalade, et bah putain. Aïe. Eh, j'avais dit que dans ce niveau, on irait délivrer Wario, j'ai oublié. Bonjour monsieur. Vous pouvez partir s'il vous plaît, merci. Eh, vous savez quoi? Au pire, l'épisode durera plus longtemps, mais après cette étoile, on ira délivrer Wario. J'ai fait une promesse. Bon, c'était pas une promesse, mais je l'avais dit, donc je vais tenir ma parole. Ça me gratte la narine. J'aime pas quand ça me gratte le nez, c'est désagréable. Hop. Bon, écoutez, on continue de monter. Ah non, il y a des saloperies comme ça. Non, non, on va pas être potes, toi et moi, on dégage. Surtout que j'ai du mal à les tuer en plus. Ok, là si je tombe je suis mort, hein, je vous le dis direct. Essaye de viser l'autre. Ah bah ouais, j'ai bien visé l'autre, hein. J'ai réussi à survivre, c'est un miracle. Bon, par contre j'ai plus d'HP du coup. Non, ça me fait chier, faut que je recommence tout. Hop. La 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 la. Là, 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 il me faut. Encore. Ouais. Voilà, merci. Oh, bordel. Hop. Ok, bon, on a repassé cet endroit. On est revenu là où on est tombé. Par contre, j'étais persuadé d'avoir visé la pique. Ok, on va faire comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Il y a une étoile là. Vous voulez dire que je suis tombé juste à côté de l'étoile, c'est ça? J'ai l'impression, ouais. Oh bordel! Et bah, l'escalade, c'est pas mon truc, hein. J'ai du mal. Allez, allons délivrer. Ouais, j'arrive à parler peut-être un autre jour. Allons délivrer Wario. C'est mardi, c'est l'Omega 7. Alors Wario, on s'en rappelle tous, c'est tout en haut du château. C'est vrai qu'il y a le niveau là aussi qu'il faut que j'aille faire là, aquatique. J'irai dans le prochain épisode, si je m'en souviens. J'avais quand même oublié de délivrer Wario, qui est quand même un personnage clé de ce jeu en fait. Le gros jaune, comme on l'appelle. Ça me gratte. Alors c'était là dedans. Voilà. Là on prend la petite fleur et on saute dans le tableau de Wario. Tout droit. Oh son père. Faut pas rater l'atterrissage, hein.
Salut les gars. Par contre, vous êtes partout, vous. Qu'il fasse super chaud, super froid, on vous croise. C'est chiant. Là. Très bien. Bon, encore un niveau secret avec pièce rouge, mes couilles là. C'est par là qu'il faut aller. Lo. Oh, le bol dedans. Hein. En fait, je suis con parce que dans ce niveau, on peut y rentrer qu'avec qu'avec Luigi. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai compris ce qu'il fallait faire en fait. Quand on va délivrer. 1, 2, 3. Quand on va délivrer Wario. Comment. Quand on va délivrer Wario, oui. Il y aura des casquettes Wario sur la map. Du coup, on pourra les prendre. Pour l'instant, il n'y en a eu que dans un niveau, si je dis pas de bêtises, c'est Caverne Brumeuse. Parce que pour la première étoile, on en a besoin. En fait, je pense que les casquettes des personnages dont on a besoin. Absolument, et qui sont pas délivrés, apparaissent uniquement quand on en a besoin. Parce que dans les autres niveaux, elles apparaissent jamais, tu vois. Bon, bref, passons par ici. Bon, bonjour les madame et pistolet. Oula, ils sont nombreux les cons là. Salut les gars. Alors, on peut pas passer la barrière, on se sent des pieds. Là, je vais tomber, c'est sûr, à 10 000%. Là. Tu peux revenir s'il te plaît. Merci. Ok. Là d'accord. Vous savez quoi, moi je vais monter en évitant bien évidemment les boules de neige. Oh, le move stylé de Luigi. Il y a une grosse croix rouge. Je suppose que c'est là qu'il faut aller. Genre là dedans là. Oui. Bonjour monsieur, toi là-bas avec la moustache, je suis Givros, le roi du froid. J'enferme tous ceux qui osent comparer leur moustache à la mienne. En fait, j'ai juste envie en apportant l'autre jour un sa moustache. Ouais, ta moustache est vraiment ridicule. Tu ne peux donc pas être considéré comme un rival, mais puisque j'ai le temps de te donner une bonne correction, je ne vais pas m'en priver. Dégage. Boum. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un gros voyou en fait. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on tombe. Ah non, rétrécis pas la map, non. Et bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Oh. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? Bouffe. Oh, son père, j'ai failli tomber. Oh, c'était tellement chaud pour moi. Par contre, il casse des morceaux, mon pote. Oula. Il est invincible pendant une demi-seconde. Aïe. Oh, il lâche des pièces. Non, pas par là. Cours vite. Reviens, toi. Hop. Allez, dégage. Alors, mon pote. Impossible, j'ai perdu contre une mauviette. Peut-être n'ai-je pas assez bien peigné ma moustache. Je dois rentrer chez moi pour vérifier ça. A plus tard. Je bégaye un peu aujourd'hui. Très bien. Oui, la clé Wario. Allons le délivrer. Et on termine l'épisode là-dessus. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, t'as la clé Wario. Oh yeah. Bon. Sauvegarder et continuer. Bon, go. Là. Ensuite, on ouvre cette porte et c'est directement sur notre droite. Voilà. Je commence à bien connaître le château. Wario. Mon frérot! Et voilà! Wario, tu as sauvé Wario! Il peut maintenant battre les méchants avec style, comme un niveau avec Wario et lance. Comment? Oui, pardon, ouais. Hein? Tu as réuni les 4 euros, il ne manque plus que la princesse Peach. C'est pas vrai. Oula! Le jeu est un peu bugué. Non, merde, pas là. Ouais, bah écoutez, ça fait 20 minutes, hein.
Tiens, attendez, qu'est-ce que c'est que cette pancarte? Bonjour, mon château est en danger et Bowser est le responsable. Toi seul peux contrarier ses plans diaboliques. Bowser a volé les étoiles de puissance et caché dans le château. Il vient du château et lui a retrouvé. Au sein de cette pièce renferme de passages secrets. L'un d'eux mène à une étoile secrète du château. Trouve cette étoile, te sera peut-être utile. Ouais, j'y suis déjà allé, hein. Bon, bref, on a délivré Wario. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, partagez et abonnez-vous. C'était l'épisode 12 de Super Mario 64 de la version DS. C'était Picassora. Je vous dis à la prochaine dans l'épisode 13. Portez-vous bien. À plus tout le monde.